Bonjour, Rémi va nous présenter un jeune bateau. Allez, dis-moi. Alors oui, c'est un jeune bateau, je l'ai fait en... je l'ai démarré en 87. Je l'avais acheté chez M. Simon à Paris. Simon Valéis. Ah, puis il a le bruit. Ah oui, il a le bruit. Les lumières. Et donc, c'est Cap de Perra, c'est un bateau... Comment il s'appelle? Cap... Cap de Perra, du nom de la ville. PE2RAT. Parce que je vais te mettre le Cap de Perra. Ah, PERA, d'accord, le Cap de Perra. Et c'est un bateau de Palma de Mallorca. Chalutier, pélagique. On revient tout près, comme ça on a le bruit. J'aurais bien le bruit dans la caméra. Avec... J'ai peur que le vent me... Donc ça ralentit et tout. Hein. Tu veux bien faire le ralenti ici parce que j'ai peur de ne pas l'entendre. Je ne vais pas le rater quand même. C'est un bateau qui a fait 2 fois médaille d'argent championnat de France. Ah oui, quand même. Tu crois sur qui? On n'a pas les mêmes échelles, j'ai l'impression. Non, il est où à 20e? Moi, je crois que je suis au 70e. Alors, ce que je voulais absolument vous faire entendre, les amis, c'est le bruiteur qui est vraiment pas mal. Hein. Et la vapeur fait plein de bruit. Alors, quand t'es à l'arrêt, t'es au ralenti. Enfin, je veux dire, quand t'es au ralenti, voilà. Alors, il est ralenti un petit moment, puis au bout d'un moment, il s'arrête. Alors là, tu peux accélérer un petit peu. Fais-moi une démonstration de vitesse, entre guillemets. Bon, c'est pas un bateau pour faire du offshore. Si tu veux bien revenir vers nous. Et il est à quelle échelle, au fait, j'ai oublié de te demander? Un 20e. Au 20e, oui, c'est vrai. Donc c'est une réplique, hein. C'est un vrai bateau qui existe. Hein. Oui. Alors c'est une boîte, hein. C'était une boîte. Ah d'accord. Il y a peut-être eu... J'ai dû en voir en tout et pour tous deux. Hein. Ah oui, d'accord. C'était très diffusé. Eh bien, merci à toi et comme je le dis toujours, au revoir les amis.